La société, sous nom Assurance, a rénové et équipé la salle des professeurs et de la recherche de la faculté des sciences économiques de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. La cérémonie de remise des clés a eu lieu vendredi 1er décembre 2023 en présence du recteur, de plusieurs de ses collaborateurs, d'étudiants, du DG de la société et de son équipe. La salle est désormais équipée de 6 ordinateurs, de 3 climatiseurs, de 2 projecteurs, d'un tableau blanc, des meubles et rangements neufs. Par ce geste, la société d'assurance concrétise un peu plus les engagements pris lors de la signature en juillet dernier de la convention qui lie les deux entités. Je suis particulièrement heureux de notre partenaire Sunu. C'est un geste qui nous engage dans une démarche qui se veut structurante et durable. Ce qui a commencé doit être développé et amplifié. Ça va s'étendre sur d'autres aspects de la vie de l'Université Jean Lassana Conté de Sonfonia. Ça va s'étendre en termes d'équipement de rénovation sur d'autres facultés. Ça va s'étendre sur d'autres aspects de développement des programmes dans le cadre de l'accompagnement des étudiants en milieu socio-professionnel à travers des stages et alternances, avec l'articulation de pôles de valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat et l'implication du service des relations avec les entreprises. C'est aussi l'occasion de repenser notre rôle en tant qu'université dans la définition des outils d'aide à la décision auprès de l'État et des partenaires. Vous l'avez dit, j'ai exactement un mois et quelques semaines de prise de fonction ici, mais je suis déjà très très rassuré avec la collaboration de l'ensemble de la communauté universitaire d'ici, de l'ensemble des étudiants et des partenaires qui commencent à concrétiser quelque chose que nous nourrissions depuis longtemps. Je suis heureux de cette anticipation. Le groupe Sunu Assurance a inscrit dans sa stratégie des principes de développement durable qui s'articulent autour de l'environnement, de l'économie et du social. C'est dans ce cadre qu'une politique d'activité RSE est développée dans tous les pays de présence du groupe Sunu. Ce qui fait que nous aussi, ici en Guinée, nous avons voulu participer à la formation de la jeunesse guinéenne, non seulement du point de vue académique, mais aussi dans la préparation de son insertion dans le milieu professionnel. Ce qui fait que, particulièrement à l'Université Générale Lansana Conté, nous avons voulu contribuer au développement justement de cette intelligentsia-là en mettant à leur disposition des outils qui leur permettent de faire des recherches et de trouver des problèmes auxquels tous les acteurs du marché, que ce soit social, politique, économique, auxquels nous sommes confrontés. C'est dans ce cadre que nous avons fait ce geste, en les accompagnant et à dire que c'est juste un début et Inch'Allah, nous allons continuer à faire cet accompagnement. Après quelques mois de bonne collaboration, le responsable de Sunu Assurance Guinée souhaite poursuivre le partenariat. Nous sommes totalement satisfaits et ce que nous souhaiterions, c'est continuer justement cette collaboration qui ne peut qu'être bénéfique pour nous, Sunu Assurance, mais aussi pour tous les acteurs donc, du marché économique de la Guinée. Personnellement.